Maman. Maman, j'y vais. Elle a pris. Tu n'irais pas à l'université aujourd'hui. Pourquoi je ne le ferai pas? La belle famille du Rouge arrive. Nous devons nettoyer la maison et cuisiner. Qui fera tout ça? Ils ne sont que 3 personnes. Je vais préparer à manger très rapidement. Il n'y a aucune difficulté. J'ai dit que tu n'irais pas. Mais maman... Raza va l'emmener. J'ai compris. Maman. Maman. Assez. Pourquoi ce problème? Je sais que tu t'ennuies. Ta belle-sœur est très bien. Oui, elle viendra aussi. D'accord. Au revoir. S'asseoir. Rafraîchissez-vous. Je vais faire le thé. D'accord. Je ne veux pas prendre de thé. Quel est le problème? Est-ce que ta santé va bien? Tu as l'air inquiet. Où est Sarmad? Il est rentré le matin. Quoi? Il disait devant toi qu'il réserve son vol. Oui, mais... Soit il est en colère contre moi, ou ai-je fait une erreur? Tout d'un coup, comment peut-il y aller, sans même me rencontrer? Regarde, chérie. Les hommes sont très égoïstes. Et ta famille s'en fichait. Ils ont beaucoup dérangé Sarmad. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne t'en souviens pas? Ton père et ton frère. Ils ont moralement diffamé Sarmad. Il est très sensible. Il a été très blessé. À propos des choses que ta famille a dites. Alors je lui ai dit, fais ce que tu veux. Mais tante, il aurait dû m'informer. C'était nécessaire, alors il est parti. Tu as dit que nous irons tous ensemble. J'irai avec toi. Alors pourquoi es-tu inquiet? Que se passerait-il s'il restait encore un peu? Ces leviers ne existent qu'au Pakistan. Personne ne peut se permettre plus de vacances à l'étranger. De toute façon, ne pleure pas maintenant. Il m'aurait appelé ou m'aurait envoyé un message, après avoir atteint l'aéroport. Écoute, Sarmad est en colère. Quand il ira bien, il commencera à vous envoyer des SMS et à vous rappeler, comme avant. Il est très simple. Je n'arrive pas à comprendre ça. Il est très différent au téléphone. Il me parle. Même lui fait des blagues. Tante, crois-moi. Sarmad ne m'a pas parlé une seule fois. Regarde, chérie. Les hommes sont compliqués. Il faut une longue période pour les comprendre. 2 jours viennent de passer, quand Sarmad est entré dans ta vie. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Après avoir assisté à la conférence, nous nous retrouverons dans un café. Tu te souviens de ce que j'ai dit? Je garde ton truc près de mon cœur. Si charmant. Prends ta conférence, j'attendrai. Je reviendrai très bientôt. Comment tu viendras bientôt? La conférence dure 30 minutes. Je dois attendre 30 minutes. D'accord. Vas-tu attendre? Oui. Fahad, dépêche-toi. Il se fait tard. Allez, j'arrive, mon pote, j'arrive. Des amis dérangent à un moment très bizarre. Je vais. Thank you.
Au fait, maman, tu as bien fait. Que tu interdis à Rasa de venir ici, la prochaine fois s'il essaie de revenir, puis encore lui interdire. Je ne sais pas si j'ai fait du bien ou du mal. Alors je pense. Je n'ai qu'un frère. Peut-être, il me quitte. Maman. Un frère devrait aussi s'en soucier. Et je ne pense pas que Rasa et son oncle en seraient blessés. Seulement nous sommes des imbéciles, qui pensent toujours à eux. Maman. Maman, pourquoi pleures-tu? Regardez-moi, ne fais pas ça. Maman. La douleur et la tension sont réservées à ceux qui les ressentent. Maintenant tu vois par toi-même. Rasa est venu te parler, mais il ne m'a pas appelé une seule fois. Je pense que il veut aussi, pour briser ce faible lien d'amour. Peut-être que sa mère, elle, a forcé. Tu es très innocent. Très innocent. Ne t'inquiète pas pour ça. Si le Seigneur le veut, tout ira bien. Oui, il sera. Bonjour. Oui, Sarish, comment vas-tu? Je vais bien. Pourquoi tu n'es pas venu à l'université? J'étais complètement prêt. Maman m'a arrêté. Les beaux-parents de ma sœur viennent aujourd'hui. Il y a beaucoup de travail à la maison. Parle-moi de l'université. Vous savez, Fahd est de retour. Oui. Il m'a dit qu'il reviendrait. Incroyable. Il te l'a dit, jusqu'à ce que tu ne viennes pas. C'est pourquoi aujourd'hui il venait avec Doua. Vous savez, ils étaient très heureux et riaient fort. Je cuisine. Ok, très bien. Prends soin de toi. Ce qui signifie que les amulettes ne servent à rien. Mais les amulettes sont sur le point de finir. Quelle est la particularité de Mariam? Que tu mets maman en colère? Maman dit des choses bizarres. Quoi de bizarre? Maman n'aurait pas dû le dire à tante. Qu'elle arrange mon mariage. Tante-main. Pourquoi mentirait-elle? Elle veut se débarrasser de toi et veut marier Mariam à l'étranger. Elle n'a pas de telles intentions. Ce n'était pas le cas, mais maintenant c'est le cas. Le jour où elle a vu que le gendre de maman venait de l'étranger, tante veut aussi la même chose pour Mariam. Tante n'est pas comme ça. Donc tu prétends que tante a raison et que maman a tort? Je dis ce qui est juste. Ça ne sert à rien de parler. Où se trouve Sarmad? Il est retourné à Londres ce matin.
Viens, chérie. Salutations. Salutations. Viens, assieds-toi ici. Uroge n'a pas informé que Sarmad reviendrait. Il est allé en urgence. Il voulait rester. Alors, de telles choses sont très problématiques. Alors, vous devriez tous les deux venir avec nous. Reste avec nous quelques jours. Non, chérie. Emmène Uroge avec toi. Je viendrai la reprendre. Quand elle dira. Comment tu vivras seule ? Fils, je suis habituée à ça. Cela n'arrive qu'au Pakistan. Qu'une personne ne devrait pas vivre seule, elle devrait être avec quelqu'un. Personne ne s'inquiète de ce genre de choses à Londres. Uroge. Oui, tante. Ne t'inquiète pas du tout. Je viendrai t'emmener, quand tu veux. D'accord. Restez heureux. Pourquoi tu n'as pas demandé à Sarmad qu'il nous rencontrerait avant de partir? Parle-nous au moins au téléphone. Si nous voyons, il nous a insultés. En fait, tout s'est passé. Si vite et si vite que j'ai été confus. Quelle hâte! Au moins un appel peut être passé. En fait, il y a un problème de signal dans cette maison. Sarmad a appelé Père et Raza devant moi. Il a essayé deux fois. Mais la carte SIM ne fonctionnait pas, à cause des signaux. Alors, il était en retard pour le vol. De toute façon, Sarmad n'a pas fait du bien. S'il y avait un problème de signal à la maison, il pourrait appeler à l'aéroport. Mais écoute, Uroge dit la bonne chose. Au moins, Sarma a essayé. Maintenant, si nous nous disputons, Uroge sera inquiet. Après le mariage. Elle est venue pour la première fois. Laisse-la au moins manger correctement. Tu ne m'as jamais laissé parler avant. Pourtant, tu ne me laisses pas parler. Si quelque chose arrive dans le futur, toi seul en seras responsable. Pourquoi tu prononces de si gros mots ? Salema, ce n'est pas une petite chose. Notre gendre. Après le deuxième jour du mariage, il est allé à Londres sans nous rencontrer. Tu dis de garder le silence. Souviens-toi. C'est peut-être ce silence. Cela deviendra un problème pour nous dans un avenir proche. Papa a raison. Au moins, on devrait en parler. Non, non. Je parlerai tout seul. Ok, maintenant, mange de la nourriture. Prends-le. Il fait chaud. Quel chanceux tu es. Tu as trouvé ton amour. Je ne sais pas, j'ai trouvé mon amour. Dans ma vie ou pas. Que veux-tu dire? Tu t'es marié avec Sarmad. Maintenant, tu es avec lui. C'est comme ça que l'on trouve l'amour. C'est peut-être la façon dont... Maman a fait beaucoup pour toi. Elle a même fait de la magie. Toutes ces choses ont porté leurs fruits. Je ne sais pas quand mes amulettes fonctionneront. Elle a pris. Dois-je dire quelque chose? Je ne sais pas, mais il me semble que... Pour trouver l'amour. Aucune amulette n'est requise. C'est une question de cœur. Et les amulettes ne peuvent pas faire ça. Tu as trouvé Sarmad. C'est pour ça que tu dis ça. De toute façon, laisse ça. Dites-moi. Comment va Fahad? Est-ce que tout est normal entre vous? Fahad est de retour.
Mais quand même, il est avec Doua. Tous les jours, il lui parle avec plaisir. Elle a pris. Maintenant, si Fahad n'est pas à toi, il ne sera jamais à toi. Il vaut mieux le laisser là où il est heureux. Et aussi, ça ne sert à rien de courir derrière un amour dans lequel il n'y a pas d'amour pour toi. Garde tes affaires pour toi. Fahad est à moi. Et il restera à moi. Mais comment allez-vous supprimer Doua entre toi et Fahad? Si pour Fahad, si je dois marcher sur le feu, je le ferai. Texte de Sarmad. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a atteint Londres. Maintenant vois, comme tu es heureux. On dirait que tu es la même fille qui me conseillait il y a quelque temps. Pourquoi envoyez-vous des messages? Appelle-le. Oui, j'ai juste oublié avec bonheur. Laisse-moi appeler. Ce qui s'est passé? Non reçu. Je conduis. Je ne peux pas parler. J'ai reçu un texto. Il conduit et ne peut pas parler. D'accord. S'il te plaît, fais-lui comprendre qu'il n'envoie jamais de SMS. Pendant qu'il conduit, il y a des risques d'accident. Que le Seigneur le protège. Je disais juste par mesure de précaution. Tu devrais conduire calmement. Nous parlerons plus tard. Tu es de nouveau revenu dans la chambre. Je suis allée dans ta chambre. Uroj a dit que tu étais à l'étage. Pourquoi es-tu venu ici? Donc, tu ne t'arrêteras pas? Maman, c'est le moment de ma magie. Fermez-la. Va te reposer. D'accord. Alors, tu fais de la magie ici. Alors, pourquoi devrais-je me reposer dans ma chambre? Parce que je fais ça avec mon bonheur. Elle a pris. La magie peut aussi entraîner de mauvaises conséquences. Aucune mauvaise conséquence ne viendra. Ne vous inquiétez pas, rien ne se passera. Tu devrais partir d'ici. Elle a pris. Tu n'as pas peur? De quoi? Tu es assis seul dans cette pièce, et tu fais de la magie dans l'obscurité. J'ai entendu dire que tu as mal entendu. Tu as mal entendu. Tu verras. Après quelque temps, j'aurai beaucoup de pouvoir entre mes mains. Même moi, je contrôlerai le monde. Elle a pris. Chérie, notre société n'aime pas toutes ces choses. Si notre société n'aime pas ça, alors je ne croirai jamais à la magie, tu vois. Papa a été d'accord. Et Raza et Mariam, ils se sont tous les deux séparés. Tu verras dans quelque temps, ils commenceraient à se détester. Même eux ne veulent pas se voir. Maman, je suis venue ici, avec tous les efforts. Mes pas sont très difficiles à partir d'ici. Mais elle l'a pris. Mais chérie, je ne peux pas te donner la permission de faire ça. Si tu m'arrêtes, alors tu en supporteras le coup. Thank you.
Garçon, je pense. Je devrais aller en Angleterre pour des études supérieures. C'est un bel endroit avec un bon environnement. Et de jolies scènes. Exactement. Étudier puis s'y installer. Alors fais un travail avec honneur. Vous pouvez vendre de l'essence à la pompe à essence. Idiot. Après avoir fait des études supérieures, est-ce que je ferai ce travail? Selon cet environnement, tu n'étudieras pas. Ensuite, tu feras un travail à la pompe à essence. Tu es assis ici. Je te cherche dans toute l'université. Mais pourquoi? Tu es arrivé à l'université après tant de jours. Je dois te dire beaucoup de choses. Je ne veux pas te parler. Mais je dois te parler. Tu ne réponds pas à mes appels et mes messages depuis plusieurs jours. Parce que je ne veux pas te parler. Tu rigoles, c'est ça? Qu'est-ce que tu dis? Tu sais que je t'aime. Je suis venue si loin dans ton amour. Amour? Mon pied. Je n'aime que Dua, j'ai compris. Dua n'est pas la compétition de mon amour. Elle ne pourra jamais t'aimer comme je le fais. Tu es une fille très idiote. Tu as considéré mon amitié comme de l'amour. Écoute attentivement une chose. Tu ne m'intéressais pas non plus avant ça. Jamais. Je m'intéresserai à toi à l'avenir. Si tu essaies de me parler à nouveau, je serai tellement méchante avec toi que tu ne peux pas imaginer. Maintenant, perds-toi. Tu ne reverras plus jamais Ujala. Plus jamais. Réfléchis à nouveau très attentivement. Parents, chaque pas que nous faisons dans l'âge, c'est toujours faux. Alors ce qu'il a fait, est-ce bien? Tu peux t'asseoir avec Fag et ensuite lui poser des questions à ce sujet. Je les ai vus rire et parler. Tu sais qu'ils s'amusent. J'avais interdit à Fahad ne plus jamais m'approcher d'Ujala. Mon cher, elle le faisait intentionnellement. Tu devrais comprendre le jeu d'Ujala et contrôle ta colère. Sinon, vous en supporterez le coup. Je m'en fiche. Maintenant, je ne me soucie de personne. De Fahad n'aime que toi. C'est pourquoi il s'est engagé avec toi. Arrête. Ne justifie plus Fahad. Maintenant, je vais gérer ça moi-même. Aujourd'hui, nous avons des chemins différents. Toutes nos relations sont terminées maintenant. J'ai compris. Ce qui s'est passé? Quand même, je dois te le dire. Deux. Écoute-moi, Dua. Ce qui lui est arrivé, je n'arrive pas à comprendre. À quel genre de jeu allez-vous jouer? C'est l'amour.
L'amour est une rivière de feu. Vas-tu le traverser? Ce feu n'est pas plus fort que ma passion. Tu seras brûlé. Je brûle toujours. C'est un voyage très difficile. Il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Je ne veux pas revenir. Tu choisis un chemin très difficile. Fahad n'est pas mon choix. Il est mon destin. Pourrait être. Tu dois t'oublier. Je ne veux pas me souvenir de moi. Chacune de mes respirations. Tout prend le nom de Fahad. Tu deviendras mécréant. Si je deviens mécréant en l'amour de Fahad, je suis d'accord avec ça. Réfléchis encore. Que Fahad, il est absorbé par l'amour de Doua. Il n'aime que moi. Doua a fait de la magie pour le rapprocher d'elle. Pour avoir Fahad, il faut faire de la magie noire. Je ferai. Tu dois faire de la mauvaise magie dans cette pièce, loin de ta famille. Je suis d'accord. L'amour a beaucoup de pouvoir. À tel point que une personne devient impuissante. Parfois, l'amour ne reste plus l'amour. L'amour devient une responsabilité. Alors personne n'aime le tenir. Et cette responsabilité ne peut être partagée avec personne d'autre. Atiya m'a appelé. Elle disait que Fahad est très contrarié. Tu lui as rendu l'appel devant tout le monde. Il ne peut jamais être déprimé. Tente-moi. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi as-tu rendu la bague? Parlez. Son amour est douteux. Il me trompe, moi et Ujala, les deux à la fois. Pourrait être. L'hypothèse que vous faites, tu n'as aucune idée. Il est faux. Maman, j'avais tort. Tu ne peux pas contrôler tes nerfs. Tu es stupide. Avant de prendre une si grande décision, au moins tu devrais penser. Fahad dit qu'il grondait Ujala. Il lui disait de ne pas lui parler. Pourquoi tu le crois? D'accord. Admets que Fahad ment. Mais les gens qui étaient autour de lui, au moins tu devrais leur demander quelle était la réalité. Ils sont tous les amis de Fahad. Pourquoi irait-il contre lui? D'accord. Donc c'est maintenant définitif que tu n'es pas l'ami de Fahad. Sinon tu ne dirais jamais une chose pareille contre lui. Tu viens de dire. Pourquoi ses amis disent-ils quelque chose contre lui? Tu es ma mère. Pourquoi tu prends son parti? Vous m'avez tous les deux rendu très inquiet. Chaque jour, vous vous disputez comme des enfants. Que va-t-il se passer? Maman. Uroge. Oui, maman. Pourquoi es-tu assis comme ça? Parce que, maman, tu étais occupée. Et Ujala est à l'université. Voilà pourquoi.
Uroj, es-tu heureux chez toi? Oui, maman, je suis très heureux. Sœur Mad prend beaucoup de soin. Et tante est comme toi. D'accord. C'est bon. Au fait, Uroj, je n'ai pas du tout aimé le comportement de Sarmad. Hier, devant ton père, je l'ai juste ignoré. Mais le chemin parcouru par Sarmad, je n'ai pas aimé. Maman, je te l'ai dit. Il a dû y aller en urgence. A-t-il appelé? Oui. Il m'a envoyé un texto après être arrivé là-bas. Pourquoi n'a-t-il pas appelé? Parce qu'il conduisait. C'est pourquoi il n'a pas appelé. Essaie de lui parler. Les messages ne sont pas de la bonne manière. Vous êtes en couple, parlez au téléphone. Uroj. Écoutez-moi. Tu peux t'occuper de ta belle famille et aussi obéir à tout. Mais souviens-toi d'une chose. Ne faites jamais de compromis sur votre personnalité. Ta valeur ne devrait jamais finir. Ok, maman. Ce que tu dis, ça arrivera. Appelle ton mari et parle à ta belle-mère. Elle est seule et peut-être en colère. Ok, maman, je vais les appeler tous les deux. Ok, maintenant, appelle-les. D'accord. Je ne sais pas. Ujala n'est pas encore de retour. Elle disait, elle reviendrait bientôt. Elle n'est pas encore rentrée. Elle reviendra, maman. Ok, maintenant, tu appelles. Je suis fatiguée de tes problèmes. Elle est en colère seulement pendant 2 jours. Dua a rendu la bague de fiançailles. Manour, tu la connais. Elle est très colérique. Maman, comment vont-ils vivre? C'est mon problème. Ne vous inquiétez pas. Regarde, Fahad. Seulement, je connais cette chose. Si ton père le sait, alors tu le sais. Maman, je vais convaincre Dua. C'est une question de quelques jours. Elle ira bien à nouveau. Je sens le danger. Allez. Le but de vous parler de cet incident, ce n'est pas pour te rendre sérieux. Je vais chez Dua. Cette génération ne peut pas contrôler ses nerfs. En une minute, ils se mettent en colère. Et puis redevenir amis. Il vaut mieux ne pas intervenir. Ils iront bien tout seuls.